Et maintenant, la cerise sur le gâteau. Vous êtes une élève brillante, Lara, même si vous ne possédez pas encore la flamme qui anime tous les aventuriers, cette soif de vaincre, à n'importe quel prix. Je vous lance un défi, fillette. Le premier qui parvient à l'Iris se l'approprie. Comme vous voudrez, vieil homme, mais je vous préviens, je ne fais pas de cadeaux. Je n'en attendais pas moins. À vos marques, 3, 1, 2... Ainsi, l'élève surpasse le maître. Votre agilité est vraiment exceptionnelle. Prenez l'Iris, vous l'avez bien mérité. Pendant que je vous attendais, j'ai étudié un peu les écritures sur le socle. Elles promettent le châtiment à quiconque ose s'en emparer. Vieille baliverne, oubliez donc ces absurdités et venez m'aider. Je ne compte plus les fois où vous m'avez parlé de fléchettes empoisonnées ou de mécanismes d'ensevelissement. Je crois que nous devrions respecter ce lieu. Vous semblez oublier que vous n'êtes pas la plus célèbre des archéologues, Fraulein. Nein, non, c'est moi, le fameux archéologue, l'aventureux Werner von Kroy, vous entendez? Et vous vous plierez à mes exigences. Allez jusqu'au mur et actionnez le levier. N'est-ce pas vous qui affirmiez que le manque de respect est la voie royale vers la négligence? Je suis fatigué de tout cela. Actionnez ce levier, Miss Croft. Vous l'aurez voulu, monsieur von Kroy. Ayez confiance en l'expérience, fillette, et vous apprendrez bien plus que...